du Cyril Lignac à toutes les sauces pour la rentrée. Si les fans du chef hyperactif avaient profité de son absence sur le petit écran pour se mettre à la diète, ils risquent de vite retrouver l'appétit. Dès le 23 août prochain, le cuistot croquant gourmand se remet au fourneau pour une quatrième saison de Tous en cuisine. Émission à succès née pendant le premier confinement. L'occasion de le retrouver dans un nouveau décor, perché sur le toit d'un grand magasin parisien, mais avec des recettes toujours alléchantes et accessibles. Et bien sûr, le tifoso du tiramisu sera assisté par Jérôme Anthony, qui viendra mettre son grain de sel en s'invitant chez les Français. Et s'il vous reste un peu de place pour le dessert, M6 se prépare également à diffuser la nouvelle édition du Meilleur Pâtissier. Aux côtés du binôme acidulé Lignac-Mercotte vient se poser en haut du gâteau la petite cerise. Marie Portolano, tout juste recueillie sur les vergers de Canal+. L'ancienne présentatrice du Canal Sport Club souhaitait sortir de son registre pour du pur divertissement. Elle va être comblée. Et si elle a déjà effectué ses preuves sur sa nouvelle chaîne? La réalisatrice du documentaire salutaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » semble avoir vite pris ses marques dans le concours culinaire. Elle est très sympa. Vraiment. Elle a une vraie joie de vivre, est très bonne copine avec les candidats. Et fait preuve de beaucoup de second degré, a confié Cyril Lignac au sujet de la remplaçante de Julia Vignali. Dans les colonnes de Télé 7 jours, en kiosque le 16 août 2021. Franchement, on s'est bien marré. Et elle est bosseuse avec ça du tout couille pour les téléspectateurs qui vont en avoir pour leur goûter.